Bonsoir. Bonsoir Grand Corps Malade, c'est la première fois que nous vous recevons ici sur ce plateau. Et attendez, il y a une musique là, c'est pas le moment d'envoyer la musique là. Il dit bonsoir et déjà dans ta tête c'est le cafard. Petit bonhomme aigri au regard trouble, au geste hagard, lui qui a laissé des coiffeurs en larmes sur un quai de gare. Il est plus rigolo qu'un pingouin mort dans le blizzard. Oui, alors juste un truc, vous n'êtes pas obligé de me répondre à chaque fois en slam, parce que là ça va chaque fois devenir très très casse-couille, hein. Je vous le dis tout de suite et j'ose le dire. Hein. Donc voilà, non, parce que le piano revient là. La régie! Il dit que les poèmes qu'on déclame lui cassent les couilles. Lui qui fait des blagues pourries qui sentent tous le vieux fenouil. Non, mais... Elles sont tellement ratées qu'elles lui attirent bien des embrouilles. Ah ouais. Franchement, si tu veux rire, refais-toi plutôt la grande vadrouille. Non, bon, alors je crois qu'on a bien compris votre univers, Grand Corps Malade. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est bon. Alors, très bien. Alors, Grand Corps Malade, ben merci d'être avec nous. Non, mais je vous en prie. Moi, j'adore la Belgique. Je trouve que le public belge est formidable. Ah, ben évidemment, hein, ça, évidemment. Ben voilà, évidemment. Évidemment. Moi, j'aime bien me produire à Forêt Nationale. J'aime Bruxelles. Je pourrais même en parler pendant des heures. Ah, ben ça ferait peut-être du bien à la ville, hein. Vous connaissez quel quartier en particulier? Ah non! Non! À chaque fois que je mets le pied dans votre belle ville de Bruxelles, qui sent la joie de vivre et les frites quand tu respires des aisselles, je me sens comme chez moi, sur cette terre où il fait bon vivre. Et je ramène en France de la drogue achetée en rue, en l'air libre. Ah bah oui, ça c'est pas faux. Hein. Bon, alors, vous serez donc à Forêt Nationale en novembre. Ouais. Allez-vous proposer de nouvelles chansons à vos fans? Oui, absolument. Moi, je vais sortir ici, dans quelques jours, un album unique, composé de reprises de chansons qui m'ont donné envie de m'intéresser à la poésie. Ah bah c'est super ça. Ouais. Quoi, avec des grands poètes, Brassens, Brel, Barbara, Ferré? Ça, je connais pas, mais en fait, ce sont bah. D'autres poètes de grand talent. Si tu veux, je peux interpréter en exclusivité une chanson, voilà, si tu es d'accord. Oui, enfin, sauf si c'est toujours avec la même mélodie au piano derrière, parce que là, honnêtement, ça commence vraiment à me saouler. Non, t'inquiète pas. Ah bah très bien. Musique. Non mais c'est la même musique ça? Oui mais il faut laisser les poètes s'exprimer. C'est un texte poétique très engagé. Sur une histoire d'amour contrariée entre une vendeuse de fruits et légumes et un éleveur de chiens. Sur fond de guerre civile espagnole. Ah bah d'accord. Tire-lipimpon. Tire-lipimpon avec la tête, avec les bras. Tire-lipimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Touche mes castagnettes et moi je touche tes ananas. Ah ben oui, ça c'est... Je trouve pas les mots, hein. Bravo, hein. C'est... Ouais, vraiment c'est... bravo. Belle reprise, hein. Ouais, je sais, mais... En fait, j'adore cette chanson parce que chacun y voit vraiment ce qu'il a envie d'y voir. Par exemple, tu peux aussi te dire que c'est une chanson sur un type qui a envie de toucher les seins d'une gonzesse pendant qu'on lui touche. Oui, les... non, ça va, j'ai compris, ça va, j'avais compris, voilà. Alors, bon. J'en ai une autre aussi. Non, mais on va pas en lancer une autre. Oh, mais... Non, mais la régie! Oh, oh, oh qu'il est beau, le lavabo. Non mais... Qu'il est beau, le lavabo. Ah oui, d'accord. Oh. J'ai pas fini, attention. Oui, non mais ça et... claque. Et... Ah, il va nous faire le bidet. Et qu'il est laid. Oui. Qu'il est laid, le bidet. Et voilà. Le bidet, il est laid. Il est laid, le bidet. Et... C'est magnifique. Bon, j'étais partant pour... C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'étais partant pour vous demander un troisième extrait, mais c'était avant d'entendre le deuxième. Donc, je pense franchement qu'on va en rester là. Il vaut mieux, hein. Oui, je pense aussi que... Attendez, excusez-moi. Mais, écoutez, on me dit en coulisses qu'en plateau, vous avez un Grand Corps Malade et personne ne me propose de l'autoprise. Non, mais c'est le chanteur Grand Corps Malade, c'est lui, ça n'a rien à voir. Mais oui, de toute façon... Enfin, si on peut prendre un petit peu d'avance... Mais ouais, pas... Non, mais vous vous occupez des morts, pas des malades, hein, bon... Ça, c'est un grand porc salade. Oui. Il a pas l'air d'aller bien, hein, c'est... Bah, hein? Bon, écoutez, je vais le disséquer. Non, vous n'allez pas disséquer, Grand Corps Malade. Je peux proposer encore un nouvel extrait de mon abol reprise. Écoutez, non mais... Je vous ai raconté la fois où j'ai fait un lance-pied avec les cordes, en étirant les cordes vocales. Non, mais c'est pas le moment. Vanina. Ah, 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 ah. Merde, il fait un AVC. Ah. Ah. Mais non, ah. Mais non, Islam. Vanina. Ah, ah, ah. Mais j'ai rien fait avec ça, moi. Ah, ah, Vanina, ah, ah.
Oh. Écoutez, vous m'emmènerez Claude François, oui, pour que je l'autopsie, hein, comme on l'appelle dans le métier, grand corps électrocuté. C'est ça, oui, d'accord. Merci Philippe. Ou alors Mike Brandt, hein, oui, grand corps défenestré. Oui, merci Philippe, allez, sortez, sortez. C'est pour l'aider, moi. Hein. Dites. Valina. Dites, c'est bon. Dites, c'est bon. Valina. Oui, non, mais c'est bon, là, franchement. Franchement, c'est bon, là. On peut même plus se la mettre tranquillement. Non, non, mais... Bon, alors, vous êtes aussi là parce que c'est la sortie du film Monsieur Aznavour. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet? J'ai toujours aimé le cinéma. J'avais déjà pensé être acteur, d'ailleurs, dans ma jeunesse, mais j'ai foiré un peu mes auditions. Ah bon? Vous avez passé les auditions pour quel film? J'ai passé les auditions pour Camping. Pour le rôle de Patrick Chirac. Pourtant, je trouve que j'avais plutôt bien le personnage. Alors, on n'attend pas Patrick? C'est bouleversant, c'est absolument... Et hilarant, en plus, c'est bien. Alors, pour graver dans le marbre l'amour que j'ai pour le grand Charles, je voulais vous proposer une chanson pour clôturer ton émission. Je suppose que tu disais pas qu'on parodie Indochine. Non, on ne fait pas ça. Allez chanter, faire n'importe quoi, parce que David Jeanmotte, il va commencer à crever, là. C'est bien ce que je pensais. C'est ça, merci. Allez, ben, on vous applaudit, musique. Alors, allez. Je sais que je m'éveillerai en ruminant comme tous les autres jours. Par le fric à pâté des dizaines de vautours. Pour l'argent, sans un remords, sans un regret, il reprendrait toutes mes chansons, ben sacrées sans détour. Pour un peu faire leur beurre sur mes talents d'auteur. Je les entends ici-bas de leur voix, c'est vautour. Oui, mes temps, c'est pas Matt Pokora. Oui, mes temps, c'est pas Aya Nakamura. Oui, mes temps, c'est pas Kenji Girac. Oui, mes temps. Ouais, j'ai de la chance, y'a que David qui m'a repris. Le seul moyen, hériter sur mon dos. Santa aussi l'a fait pour fermer les JO. Et Guégan, et Guégan. Ouais, je suis même pas encore aux cieux au paradis. Qu'on chante les miennes avec autotuneur. J'étais pas vraiment pour, mais j'ai des droits d'auteur. Génération Goldman, ça remplit le compte bancaire. Oui, mais tant que tel. Reprends, vole-moi, oui, mettons. Kamel, Ben chantera comme toi, oui, mettons. Mettons, qu'on reprendra là-bas, oui, mettons. Il faudra bien qu'ils écrivent un jour des chansons originales, sans faire aucun plagiat. Les albums de reprise, ça fait un vrai tabac. Et pourtant pour ma maman, pour ma bohème et pour mon nom, que c'est sans fin tout ce qu'il y a de pire. Ils reprennent, emmenez-moi, mais ne font que la détruire. Et j'entends tous ces piètres chanteurs l'enlaidir dire. Oui, mais tant que c'est pas Matt Pokora. Oui, mais tant que c'est pas Aya Nakamura. Oui, mais tant que c'est pas Kenji Girac. Des prêtres Jouloumika, oui, mais tant que c'est pas Slimane et Vita, oui, mais tant, c'est pas Matt Pokora, oui.